Et salut à toutes et à tous, c'est Nink. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Let's Play sur le jeu Resident Evil 2. J'espère que tout va bien. Moi, ça va moyen, étant donné que je plonge dans l'horreur. De nouveau. Et nous allons donc essayer de sortir de ce parking par cet endroit, je présume. Parce qu'à mon avis, il faut utiliser la manivelle que j'ai. Mais que j'avais pas du tout vu en fait qu'on pouvait mettre la manivelle, champion. Donc allons-y. En sachant que je suis vraiment dans le caca. Parce que je n'ai plus que 2 balles de pompe. Hein. On se souvient de cet épisode, hein, n'est-ce pas? Logiquement, je n'ai pas peur. Il ne devrait y avoir personne. Voilà, il y a juste les chiens qui sont un peu vénères. Et sinon, ça va. Sinon, ça va, tout va bien. Hop, manivelle en bout carré. Et est-ce qu'on la récupère de nouveau? Je pense que oui. Ok, je crois que c'est ce qu'on voyait de l'autre côté, non? Exactement. Je entends un bruit bizarre. Vous entendez? Il y a un chien. Il y a un chien qui est en liberté. Putain, j'aurais dû garder la poudre jaune, je me serais fait des balles de pompe. Est-ce que 2 balles vont suffire à le tuer? Je l'entends. On n'a pas peur. On n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Il vient avoir un point de sauvegarde. J'ai un peu plus peur là maintenant. Un point de sauvegarde, n'importe quoi. Il vient d'avoir une sauvegarde automatique. Ça filme bien, ça filme bien. Faut toujours vérifier. C'est quoi ce bordel? Ok, donc faut que ce soit dans le rouge tous les deux, je présume. Alors. Voilà. Bah voilà. C'était pas voulu, ça par contre, je vous le dis tout de suite. Ok, il est piégé. Oh! Kébé! Il y en a! Il est mort l'autre? Il est mort. Allez, approche. J'ai pas de grenade normale, ok. Il est pas mort? Si, il est mort. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que j'ai rien. J'ai utilisé tout mon stock. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il monte. Composants électroniques en boîte. Ah bah voilà. Où est-ce que ça s'ouvre? Ici. Voilà. Alors par contre, la musique est toujours stressante, donc... Je suis pas confiant à l'idée de me dire qu'il y a plus personne. Ah mais attendez, il y a un chemin ici. Il y a juste une petite herbe de pas grand-chose. Bon, bah là, s'il y a des mecs, on court sa race! On court. Il y en a plein. On se casse! Oh, il y en a plein ici aussi!
Je sais même pas ce que je fais là en fait. Ah, mais on a ouvert cette porte. Faut que je me casse là-bas. Bon, j'ai pas trop peur en fait. Parce qu'ils sont pas l'air très doués. Forcément, je dis ça, il y en a un qui va me sauter dessus, c'est sûr et certain. Ok, la musique se calme, je crois. Ok, ah, ça monte. Ah, parfait. Oh non, je suis de retour dans le commissariat. J'en suis sûr. C'est le commissariat. Oh non. En vrai, je préfère être dans le commissariat. Oh, vous êtes généreux. Ah, par contre, je retourne pas là-bas, moi. Hors de question. Oh, le nombre de fenêtres à fermer. Excusez-moi. Merde, j'aurais peut-être dû aller chercher. Oh! Je comprends mieux pourquoi vous m'avez donné des balles. Oh! Ah, mais c'est le mec. Ah, bah merci pour le nouveau couteau. Oh, faut aller chercher le fusible. Bon, lui, il s'en fout de moi, mais c'est le type qui s'est fait bouffer, ça. Oh! Interrupteur, voilà. Ah, oh, la petite musique qui fait du bien. Ok. Ok. Du coup, je propose qu'on l'associe avec ça, tiens. Voilà, comme ça on est bien. On est bien. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. On va laisser ça ici. Non. On va équiper le couteau plutôt. Des balles, s'il vous plaît. La poudre jaune, c'est sympa. Ah, parfait. Ah, vous l'entendez? Salut. Oh, je suis obligé de tirer dessus là. Mission pour Magnum. What? Mais j'ai pas de Magnum, moi. Non, la poudre noire, on garde. La manivelle. La manivelle, on va la garder parce qu'à mon avis. Ah non, j'ai dit on peut ouvrir la porte. Ouais, on va quand même la garder. Vite, 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 vite. Voilà, parfait. Bon, l'autre, il s'en fout de moi. Il prend son 4 heures. Ok! Mais attends, pourquoi est-ce que... Ah, c'est sérieux ce bug? J'étais en train de tirer dans la porte. Oh, ça, c'est débile, par contre. J'ai limite envie de charger ma sauvegarde, là, en fait. C'est débile. Bah, franchement, je charge ma sauvegarde, hein. Vous vous rendez compte que je viens de mettre 3 balles dans le rideau de fer parce qu'il n'était pas encore monté tout en haut? C'est n'importe quoi, ça. Ah, du coup, je suis déjà cassé sans utiliser de balles. Parfait. Oui, attendez. Du coup, on va tout ranger. Franchement, je trouve ça dégueulasse, là, par contre.
Hop, hop, hop. Voilà. Ah, mais nous, on lui a explosé la tête, donc c'est good. Mais lui, j'ai limite pas envie de le tuer parce qu'il bouge pas en fait. Il s'en fout de moi. Mais complet. Mais oui, mais complètement en fait. Voilà. Bah écoute mec, plus tard, hein. Ravi de t'avoir connu. Bon, par contre, dans un sens, je suis pas très content de revenir ici. Bizarrement. Ah, il y avait une planche que je n'avais pas prise. Un boulet. Ah, mais du coup... Bah non, non, bah non, je suis pas avec les... je vais passer par là plutôt. Je préfère. Ouais, mais bon, je m'en fous de toi. Ouh, attendez, on va revoir notre cher ami. Et on va boire un petit coup aussi. Marvin. Ah. Marvin. Désolé. Ah bah au moins t'as explosé rapidement, merci. J'accomplirai ma mission, lieutenant. Coûte que coûte. Eh ben. Triste. Il m'en fallait s'y attendre hein, en même temps. Ok. Ok. Où est-ce qu'on va maintenant? Bonne question. Bah du coup, il y a la porte à l'étage à ouvrir avec la manivelle. Il y a la porte fermée avec la clé carreau. Ah oui. Et troisième étage. Mais il y a toujours un cadenas. Tour de l'horloge. Tour de l'horloge, je suis censé y aller apparemment. Donc voilà. C'est intéressant. Non mais je suis censé y aller parce qu'il y a une pièce de... un composant électrique. Vous savez. Du coup, on va aller ouvrir la porte. Alors, je voulais juste vérifier un truc en fait que j'ai vu. Ah, ce serait par où? Juste. Non, c'est en bas. Quelque chose que j'ai vu quand j'ai regardé la vidéo. Et ça a piqué ma curiosité. J'ai besoin de savoir si c'est ce que je pense. Oh putain, il y a un liqueur. Oh, j'ai pas de balle de pompe. Me faire des balles de pompe hein. Ah mais il a failli me faire avoir une crise cardiaque. Peut-être que moi aussi je vais lui faire avoir une crise cardiaque. Bon. Ah mais ça va pas bien de me faire ça hein. Tain, du coup vous l'entendez là? Ah mais je peux pas l'avoir là par contre de là.
Ouais, non, j'ai pas envie de... Ouais. Il est où? Oh non, non, j'aurais dû le tuer tant que j'avais moyen. Mais tant que je cours pas en fait, ça devrait aller. Regardez, Locker Room, c'est... Enfin, Locker Room, c'est AP. Ou LAP, je sais pas si c'est censé être un... Je sais pas. Mais si ça se trouve, c'est un des casiers. Ah oui! C'est vrai qu'on a une photo à regarder ici. Ah, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Mais du coup, c'est peut-être pour un des casiers fermés. L'étage supérieur. Celui-là. Ou celui-là. Voilà, au choix. Là, c'était avec le cœur. Hein. Ouais, t'as bien raison de souffler un petit peu, mon petit néon. Donc, on va juste repasser à côté du mec. Voilà. On fait notre life. Il nous a mis un petit dégât, mais c'est tout. Hein? On continue de vivre malgré ça. Les niqueurs, apparemment, c'est ceux qui peuvent me faire crier. Il n'y a pas de nouveau mec ici, hein, j'espère. Je suis plus confiant en fait là parce que j'ai pas beaucoup de balles. Et maintenant il y a plein de nouveaux zombies qui sont arrivés un peu partout donc... Il y en a deux? Je peux entendre du bruit ici aussi. Non, c'est que celui qui est de l'autre côté que j'entends. Ouais, non, mais. Ah, ils me font tous chier là parce que je veux passer par des endroits et sauf qu'il y a des liqueurs qui me font chier. Est-ce que j'avancerai pas là-bas, histoire de trouver des balles? Parce que là, on n'a rien. Hein. J'hésite. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien tenter un des cadenas quand même. Je suis défoncé sa gueule ou non? Non, j'ai pas de balles. On va avancer. On va avancer. Ok, il m'a fait flipper. J'ai cru qu'il allait casser la porte. On va avancer parce qu'en fait, si j'utilise des balles pour des trucs secondaires, j'en aurai plus pour le principal en fait. Alors peut-être qu'il y a des balles, ça se trouve dans les casiers, mais je suis pas vraiment très confiant. Ok, dès que j'entends des bruits chelous, je suis vraiment pas bien. Non, je vais voir mon inventaire. Ok, bon. Bon. Ah, il me semble que du coup, il va y avoir des zombies en feu ici. Mais vu que ça fait longtemps, ils sont peut-être pas là. Je vais boire un petit coup avant de faire quoi que ce soit. Voilà. J'ai toujours peur qu'un screamer derrière ça. Ouais.
Ah, du coup, on va avoir accès au bureau du chef, la collection privée et le toit, peut-être. Ouh, toit. Non, mais vous foutez de ma gueule. Ah, voilà. Ah, yes, il faut avec les cœurs. Alors? Est-ce qu'on n'est pas super content là? Ça va où là si je descends? Salle d'interrogatoire et salle d'observation. Ouh, il va y avoir des zombies là, non? Je suis pas très confiant. Il est enfermé. Oh, j'en étais sûr. Ok. Encore une fois, il me faut avec les cœurs. Des casiers. Poudre jaune. Il me faut avec les trèfles. Le truc, c'est qu'ils sont bien sympas, mais... avec leur poudre. Mais moi, je voudrais de la noire plutôt. Pas peur de vous, les mecs. Ok, ça a l'air sympa ici. Il rallume la lumière, en fait, c'est pas sympa. Il n'y a pas l'air d'y avoir de zombies. Et il y a d'avoir quelques casiers à fouiller, donc ça, c'est cool. Bon, enfin, quelques. Il est génial. C'est vraiment pas utile ce truc, je trouve. Mais bon. Eh oh. C'est la deuxième fois qu'on voit ce chapeau. Ah, d'ailleurs, je suis pas revenu sur un truc. Le mec là qui s'est fait éclater la tête. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai dû retourner genre les 10 premières minutes du. Enfin, le premier quart d'heure de la vidéo. Du coup, j'avais déjà vu ça. Et quand je l'ai vu la première fois, j'étais en mode non, 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 pas lui. Juste pas lui. Parce que je pense que le mec qui l'a attrapé n'est autre que le tyran. C'est-à-dire. Enfin, Mr. X. Hashtag le. Alias plutôt, pardon. Le tyran. J'ai pas envie d'aller dans cette salle. Faites-moi voir ici. Je préfère le toit. C'est sympa pour se suicider, non? Qu'est-ce que vous en dites? Tu veux pas, Léon? Tu laisses tomber tout ça, puis tu te suicides? Y a un mec? On a vu un mec à travers la fenêtre. Oh! Génial. Ah, il va se passer un truc. Non, c'est tout. Oh là là, génial. Pardon? J'ai pas compris, mais why not? Attendez, mais on peut descendre dans la rue? Oh, intéressant. Je pense que je me sentirais beaucoup plus en sécurité en étant dans la rue, bizarrement. Attendez, quoi? Ah, mais on est de l'autre côté de l'hélicoptère? Ah. Mais sauf qu'il va falloir atteindre le feu, hein.
Mais cette manivelle, j'ai pas compris là par contre. Ah, mais le tuyau est pété, du coup on peut pas faire passer l'eau. Je suis censé faire quoi moi? Bah je sais pas. Mais du coup je suis bloqué ici maintenant. Et je n'ai pas d'autre choix que de passer par ici. Est-ce que c'est vrai? Oh, ça c'est généreux. On va en prendre une. Ah, attendez. Hop. Et celle-là, on va l'utiliser pour se mettre full. C'est quoi ce bruit? Ah! Oh my god! Espace. Bon, c'est pas parce que j'ai des balles maintenant qu'il faut tout mettre à côté. Pourquoi est-ce qu'il tire de balles parfois? Tenez, mais maintenant il tire par deux balles mon pistolet, c'est quoi ce bordel? C'est chelou. Attendez, elle fait quoi ça? Permet de tirer 3 balles à chaque pression sur la détente. Ah, mais je pensais que ça. Putain, mais j'aurais dû lire. Je pensais que c'était une crosse et que ça. C'était plus stable du coup. Mais pas du tout en fait. Ça me fait tirer 3 balles par 3 balles. Ah non, non. Pas bon du tout ça en fait. Pardon. Je crois que... Ah, ça t'a changé. Bon, je sais pas, en fait. Ok. Donc en fait, la crosse, on va la ranger parce que c'est nul. Et nul de chez nul quoi. Someone knows the key. La clé trèfle. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un gros piège? Non? C'est super bizarre. Ah, on n'a plus besoin de la manivelle. On va l'acheter. Hop. Par contre, j'ai pas d'autre poudre noire. Ça, c'est un peu chiant. Ben, écoutez, je vais la récup, mais j'ai l'impression que c'est un gros piège, je sais pas pourquoi. Non? C'est bizarre. C'est grave bizarre. Y a rien d'autre ici? What the fuck? Évidemment. Une autre aussi. Non quoi? Ah putain, je croyais qu'elle était pas morte. Par contre, j'ai plus rien en bas, encore une fois, pour pas changer en fait. Je vais quand même pas me faire des balles de pompe encore. Alors je vais juste essayer ça maintenant que j'ai touché un truc en bas. Ah voilà, ça a changé le sens de l'eau. Du coup,
Ok, d'accord. Sauvegarde. Oh non! Oh putain, pas toi! Pas toi! Putain, non! Oh, il va vite! Oh non! Oh non, 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 mais pas toi! Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, il peut me suivre dans la salle de sauvegarde, je suis sûr. Faut que je lui passe à côté. Faut que je lui passe à côté. On lui passe à côté, on lui passe à côté, on lui passe à côté. J'ai récupéré mon couteau tout à l'heure. Oui, ok. On court. C'est le fameux tyran dont je vous parlais. C'est Mister X. Il est derrière. Je l'entends marcher. Il a ouvert la porte. Il peut pas venir ici, hein. Non, il peut pas. Je l'entends marcher. Sauvegarde. Il est là, il me suit. Je suis censé faire quoi contre ce truc? J'ai pas de balles, j'ai rien. Ok. Calme-toi. On va où? Où est-ce qu'on va? La salle des archives? Ou alors la salle d'observation? Mais il va me suivre partout en fait! Oh non! Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il arrive maintenant lui? Enfin, qu'il arrive maintenant ou à un autre moment, il va me faire chier quand même en fait. Il y avait ailleurs, on avait besoin, je crois, non, de la clé. Ah non. Ah, on avait besoin de la clé carreau ici. J'aurais pu y aller en fait tout à l'heure. J'ai un peu zappé. Ok, bon. Il me fait pas très peur en fait. Enfin, si, hein, je sais pas. Genre, son aspect ne fait pas peur. Mais le fait qu'ils me suivent partout là, par contre, ça va vraiment pas me plaire. Faudrait que j'essaye d'aller dans la buanderie. On va aller dans la buanderie. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Oh, il m'a perdu? Ou alors il me suit pas ici. Quoi? Pourquoi? Non, il me suit! Il fait demi-tour. Non! Mais j'ai cru qu'il m'avait perdu de vue! Je fais quoi? Il est pas si con qu'il en a l'air en fait. Enfin non, il a pas l'air con en fait, justement. C'est débile ce que je dis. Oh, il fait le... Attendez, juste, je veux savoir, on a combien de temps d'épisode là? On est qu'à 35 minutes, mais j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses. C'est incroyable. Ok, bon.
On peut pas le tuer d'ailleurs, hein, si des gens se posent la question. De toute façon, avec 2 balles. Ah, mais j'ai une idée, peut-être que je peux. Oh! Regardez, la musique s'est calmée. Je rentre dans la musique! J'espère qu'il me suit pas. Hein. Oh, la poudre. Oh, un coffre. Oh, il y a la deuxième pièce pour. Enfin, la touche pour le clavier, vous savez. Allez. Faisons ça. Mettons-nous bien. Reposons-nous. Tout ça, tout ça. Donc ça ferait. Non, ça ferait ça. Hop, hop. Ensuite, je sais pas, ok. Ah, oh, j'ai failli faire le perfect. Du coup. J'ai oublié totalement la combinaison en fait. Ah, c'était lequel? C'était celui-là. Tut. Ça me permet de me calmer un petit peu ça. Et je rebois un petit coup. Ouais, j'ai extrêmement soif, hein, désolé. On va acheter la clé carreau, on n'a plus besoin. On va combiner ensemble, hein. De toute façon on a gardé la poudre rien que pour ça. On va remettre la clé là. Ah, faudrait que j'aille la poser la pièce, mais ah, je tremble de froid. Pas de peur, attention. C'est pas la même chose. Là par contre, j'ai un seul flip, c'est de l'entendre marcher. Je sais qu'on peut l'entendre marcher à travers les murs, donc. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté. Le Mister X, parce qu'il n'apparaissait qu'avec Claire à l'époque. Or là, ils ont été sympas, ils l'ont mis assez pour Léon. Yes. Ah, je pourrais tenter le cadenas du coup. Et je pourrais du coup descendre, aller dans la salle de save. Et voilà. Je n'entends plus. Non! Ah, ça, c'est un truc que je déteste dans les jeux. C'est un méchant qui peut te suivre tout le temps. H24, il te suit. On va juste marcher. J'ai même pas envie de tirer parce que ça se trouve. Si on tire, il nous repère au son et il se dirige vers nous. On avait dit CAP, si c'est possible. Ah, oh, c'est ça. Des putains de balles de pompe. Il y a aussi celui qui est à l'étage, mais j'ai pas envie d'aller le tenter. J'entends une porte s'ouvrir là. Non, c'est la porte qui s'est fermée. J'entends plein de portes. Putain, c'est juste ce zombie. Je sauvegarde.
30 ans, je crois. J'espère juste. Moi, mon seul truc que j'espère, c'est qu'il ne peut pas rentrer dans cette salle. Je l'entends se rapprocher, hein. Ah, j'ai pas. D'un côté, j'ai envie de vous laisser, mais le truc, c'est que s'il me tombe dessus. Vous le verrez pas. Ça se trouve, faut éteindre la lumière. Casier 3F. DCM. Ok, bon, j'ai bien fait de pas aller tenter du coup. DCM. J'ai peur. Je l'entends plus. Ah putain, je le entends, vous y croyez à celle-là? Écoutez. On va cesser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas. On va se laisser sur le menu pause. J'en peux plus d'entendre ces pas, il me fait peur, ok? On va cesser ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire et à partager. Allez, salut tout le monde!